Dans un live Instagram, Marie Maud, candidate de la saison 10, et Clara, candidate de la saison 11 de la Star Academy sont revenues sur le cyberharcèlement subi par certains élèves cette saison. Elles ont appelé au calme concernant Axel et Candice. Depuis plusieurs semaines, Axel et Candice sont victimes de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes reprochent à Axel son comportement dans le château et vis-à-vis de ses camarades de la Star Academy. En ce qui concerne Candice, la jeune académicienne a jugé par rapport à ses interprétations, que les internautes trouvent trop faibles. Certains estiment d'ailleurs qu'elle aurait mérité de partir à la place de Clara, éliminée lors du prime du vendredi 15 décembre. Dans un live Instagram, cette dernière et Marie Maud, candidate de la saison précédente, sont revenues sur cet acharnement contre les deux élèves. Clara et Marie Maud scandalisées des propos sur Axel, les deux chanteuses ont réagi aux nombreuses critiques reçues par Axel et Candice. Les gars, si est-il incompréhensible, s'indigne Marie Maud à propos des messages de haine concernant Axel. Clara a ensuite voulu mettre les choses au clair. Vraiment parce que pour nous, Axel, et pour de vrai, si est-il la personne la plus attentionnée du château et n'oubliez pas encore une fois que si est-il un condensé ce que vous voyez à la télé et qu'on peut pas tout vous montrer et que voilà, nous Axel, on le connaît vraiment et si est-il une personne qui est extraordinaire. Clara et Marie Maud appellent au calme en ce qui concerne Candice, le discours reste le même. Moi ça me désespère, Candice elle mérite absolument pas ça. Pensez à quand elle va sortir et elle va voir tout ça, vraiment, vous ne connaissez même pas cette fille, à quel point elle est douce etc., affirme d'abord Marie Maud. N'oubliez pas, vous les voyez à la télé, d'accord, mais si est-il des vraies personnes qui vont récupérer leur téléphone, qui vont voir tous ces messages etc., vraiment, apaisez vos cœurs, continue la jeune chanteuse qui dénonce un véritable harcèlement contre les deux candidats. Louis, aussi présent sur ce live, a également donné son avis, « Moi, je comprends pas pourquoi on peut pas être juste dans de l'amour les gars. Franchement, si est-il un truc de ouf. Vous avez vu comment on était dans le château, on se kiffait de ouf alors qu'on venait de différents horizons », déclare-t-il. Clara avait déjà donné son ressenti dans une interview à Télé Loisirs, assurant que les messages de haine envers ses anciens camarades n'étaient absolument pas justifiés.